on va mourir. On va mourir, Alvaro, mais je vais te buter, je vais te ramener avec moi. En enfer, il fait chaud. Et ça tombe bien, je suis frileux et je suis frileux. Ouais, 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 qui miaou. Et je vais mourir, je vais mourir. J'ai planté les réfets, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Eh ouais mon boy, tu vas mourir, mais au moins tu seras mort avec les honneurs. Avec le smile. Les amis de mes amis, ne sont pas tous de la famille. T'as fait un franprix, le casse de ta vie. C'est bon, ferme ta gueule, bah les goûts de ta vie. Les frères, on la dalle en Somalie. Trop occupé à faire chicha la nuit. Père des edix, sacoche élevée. Fais pas la mala, on va te soulever. Peugeot 307 sur la N7, mais les litres en l'arrière de la banquette. Péter le pactole, c'est notre boulot. Baiser ta sœur, c'est le gros lot. Qui a dit que la hagla ça paye pas? Qui a dit que la hagla ça paye pas? On n'est pas comptable, mais on met des raspas. T'es pas mon ami, toi, me parle pas. On comprend dès la pregunta. Elle veut la bague de cette grosse tasse. Mito Cogno, t'auras pas mon numéro. Tu veux la merco, t'as qu'à te lever tôt. Qu'est-ce, qu'est-ce, je veux une grosse caisse. Frotte, frotte, le bas de caisse. Frotte, frotte, le bas de caisse. Hestes, abat les SS. Salut, salut! Juste pour vous dire qu'on a reset la whitelist du serveur. Ça veut dire qu'en gros, toutes les personnes qui avaient été refusées définitivement la whitelist peuvent retenter leur chance. Et même les nouvelles personnes qui veulent essayer un petit peu ce serveur. N'hésitez pas, le lien du Discord est en description. C'est mardi! À tout de suite! Reculez un peu, parce qu'il va lui mettre la coupe de machette là, il va y passer, il va s'en passer. Ah, tu vas y aller, match, man. Non. Bah, vas-y, viens, vas-y, viens. Vas-y, viens. Donc, vous viens. Êtes assez. Foiré, va. Oh, tiens, oui. Voilà. Oula. Votre effet de merde, là. Oula, non, c'est pas nous, là. Oula, oula. Hey. Tu vas faire quoi? Prends, je vous laisse, je prends le mien, ok? Allez, les boys, on fonce à l'hôpital, on fonce à l'hosto. Allez, c'est moi, ma voiture. Putain, t'es lourd, mon boy. Ça va bien se passer, on t'emmène à l'hosto, on t'emmène à l'hosto. On a 400 mètres, mon boy, reste avec moi, reste avec moi. Il a mon père état. On va se faire un match de mort. Voilà. Vous faites un garrot. Non, pas un garrot. Non, je vous mets juste un bandage. Mais non, un garrot, je veux une cigarette. Rachète-la, celle-là. Sortir de là, celle-là. Est-ce que vous pouvez attendre quoi, vous travaillez dans le couloir que je m'occupe de votre... Non, mais on est en train de se faire soigner, là, un peu d'intimité. Bah ouais, moi aussi, j'ai trop. Ouais, t'as mal. Ah, le coup de couteau au réfet, comment ça m'a fait plaisir. Écoute-moi bien, je vais t'attraper. Pourquoi tu parles avec moi, petit? Pourquoi tu parles avec moi? On est dans un hôpital, c'est vrai. Allez-vous, monsieur, j'arrive. Monsieur, s'il vous plaît. Faites-le sortir, celui-là. Est-ce que vous pourriez sortir? Je m'occupe de ce monsieur. Merci, c'est gentil. C'est gentil. C'est juste pour faire chier le monde. C'est juste ça, mon but. Ah, j'ai mal. Qu'est-ce qui se passe encore? Vous êtes sûr? J'ai mal à l'abdomen, je me suis pris un coup de couteau. Je peux pas vous citer beaucoup. Allez, j'ai le temps. C'est Marguerite? Oui. Ça va, Marguerite? Non, pas ici. Ah, désolé. Oula, il a retiré ses fesses. Il était en train de se soigner, ou c'était un peu... Non. Oui, monsieur, vous allez mourir. Un peu bizarre. Allez, je vais vous faire peur, mais... C'est un peu une deux sauces là. Vous savez que vous êtes une deux sauces. Le réfé, il veut nous tuer. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Salut Stella, ça va? Tu vas bien? Oui, tu restes pas là. Ça va, et vous? Je me suis pris. J'ai planté le réfé des marabuntas, ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe entre vous à chaque fois que je te vois? Il y a des problèmes avec eux? Bah ouais, je sais pas pourquoi. Ils m'aiment pas trop et moi non plus. Bon, bah dans ce cas-là, tout va bien. Vous vous êtes fait bijouter, monsieur? Bah, je sais pas. En tout cas, je l'ai bien planté, ça m'a fait plaisir. Lui aussi. Ok, donc au niveau du ventre, attendez, je vais enlever le bandage quand même. Qui c'est que vous avez fait un point de compression là? C'est un noir. Ah, c'est un ballast. Ça bien. Ouais, c'est un ballast. Parce qu'il y avait aussi les ballasts dans l'histoire. Ah ouais, c'est une longue histoire. Hein. Ouais, c'est une très longue histoire. Hein. En fait, si vous voulez, le réfé des Maras, il m'avait donné rendez-vous à l'Unicorne, là où travaille sa mère et toute sa famille. Oui, ouais, c'est quoi? Marguerite? Marguerite? Non, parce que c'est intéressant de fou ce que je suis en train de te dire. Et ils m'ont tapé à 14 contre 1. Donc moi j'ai appelé les ballasts, on les a bloqués. Le réfé des Marais, il a commencé à me dire: ouais, mets-toi contre le mur, je vais te découper, espèce de petit pequeño. T'as vu, je le fais bien. Hein. Et du coup, moi je me suis énervé, je prends un couteau, bouac, je l'ai planté au calme. Et il y avait du sang partout du coup? Ouais, il y avait du sang impur, il y avait du sang de Mara. Mais du coup, moi aussi, après j'ai saigné, je me suis pris un coup de couteau parce qu'il y a une de ces petites chiennes qui l'a pas tenue en laisse, elle m'a mordu avec un couteau. Fouf! Dans l'abdomen. Ah, c'est qu'il y a des maquillages partout là. T'imagines, c'est une femme qui m'a planté et c'est une femme qui va me soigner. C'est quand même fou la vie! Ben ouais, mais c'est la meilleure qui te soigne. C'est vrai, Marguerite. Si c'était de la deuxième meilleure. Tu deviens quoi, Marguerite? Eh, écoute, je t'attendais. Hein, sérieux? C'est pas vrai. Bah écoute, je suis là. Peut-être que tu vas me faire un rancœur avec Prince aussi. Oui, c'est vrai. Du coup, maintenant c'est mon cœur est brisé, mais du coup mon cœur est pris maintenant. Non, déjà. Ben. Ouais, attends, c'est AliExpress ou quoi ça? Amazon Prime?
Par contre, maintenant que t'en parles. Ouais. Aussi, on s'occupait de ta tuyauterie qui est en train de déborder là. Ouais, s'il te plaît, ouais, j'avoue que là, ça pique. Parce que là, si t'as faim. Bah, du coup, vu que t'es prise. Stella, salut. Bonsoir. C'est pas vrai, je suis pas prise. Tu vas bien? Ça va très bien, et vous? Oui, super. Tu viens d'où? Il y a la plaie. Moi, je viens de la France, et toi? Jure, tu viens d'où, de France? C'est quelque chose qui est pas très connu. C'est rose, un peu comme toi. Toulouse. Mais trop fort. Ouais, la ville rose. Mais je connais, ouais, j'étais sérieuse. C'est là-bas où j'ai eu mes premiers rapports sexuels avec des femmes. C'est vrai? C'était des... Non, c'est faux, je rigole. Elles étaient consentantes? Non, je suis encore puceau. Je suis encore puceau. Ah, c'est... Ouais. Peut-être le rose, du coup, ça. Et vous savez qu'il faut faire des bonnes actions tous les jours, mesdames. Et c'est nous, quoi, c'est le travail de faire ça. Bah, aujourd'hui, c'est de me soigner, déjà. Ouais, j'y suis, là. Soigner. Ouais, mais faut soigner mon cœur aussi, parce que mon cœur, il est blessé. Oui, mais je pense que la vas-y, voiture... Tu veux quoi? Tu veux voter quelqu'un, c'est pas une bonne action. Bah, ouais, mais c'était de la légitime défonce. C'est parce qu'il... Ça fait 5 fois que je le croise, ça fait 5 fois qu'il me tabasse. C'est normal à un moment donné que je m'énerve, on est d'accord, Stella? Là, franchement, j'aurais fait pire, je crois. T'aurais fait quoi? Nous, on aurait coupé l'entrejambe, comme ça. Hein? En plus, quoi? On sait faire. Ah! Tu sais faire ça, toi? Non, mais... Tu sais faire des pansements de ta lèvre, tu sais faire ça, toi? On m'a déjà circoncis une fois, mesdames. Chanté. Tu te rappelles quand Momo, il m'avait trompé? Eh bien, je lui ai fait. Qui ça? Momo. Momo, mais Momo, il était circoncis. Pourquoi tu l'as circoncis une deuxième fois? Mais parce que c'est pas assez court, apparemment. Il est circuit, tout court. Ah ouais, là, c'est compliqué, là. Stella, c'est quoi cette coupe du cheveu? Tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Mais je pense qu'il va faire une thérapie, là. T'aimes pas ma coupe? Si, non, mais la couleur. Mais c'est sympa, par contre. C'est joli. Ouais, c'est vrai. Violet, le recoute, parce que bon, quand même, C'est quoi? C'est entre le gris et le violet? Si tu veux qu'on parle de couleurs, je crois que tu es mal placé quand même. Bah, franchement, le rose, c'est beau, c'est thérapeutique à chaque fois, je l'explique. C'est vrai. Ça ralentit le rythme cardiaque. Ouais. Bah, là, du coup, c'est grâce au rose que je suis encore en vie, hein. Sinon, j'aurais fait une hémorragie. Oui, bah, sûrement, d'ailleurs. C'est pas bête, ça. Bah, oui, bah, moi, j'en ai. Bah, franchement, je crois que j'ai plus une aptitude à découper qu'à guérir. Ouais, des fois, pour guérir, il faut découper. Allô? Allô, Tobias? Je suis désolé, je suis avec deux de mes meufs là. Je te rappelle? Ah, oui, vas-y, pas de soucis. Salut. Bisous. Désolé, c'est le business qui m'appelle. Ah, mais tu crois pas qu'il faut amputer là? Je crois qu'il y a un problème. Non, mais. Ouais, Stella, on vient à peine de se connaître, tu veux m'amputer? Attends un peu, attends une semaine, deux semaines, enfin, qu'on fait connaissance. Bon, ok. Mais une semaine maximum, hein. Ah, ouais, mais toi, attends, t'avais une boucherie sur Toulouse ou comment ça se passe? Elle s'appelait, elle était trop bien. Et après, elle a cramé. Ah, c'est peut-être toi qui l'as cramé, non? L'assurance. Je sais pas, hein. Tu t'en parles avec zéro émotion, on dirait que t'es parti acheter un pain au chocolat. C'était pour l'assurance. Ah, bien joué, pour acheter les billets pour venir à Los Santos. Exactement. Bien joué. Par contre, fais pas des petits cris comme ça, ça me fout. Quoi? Ça t'émoustille? Ah bah je vais arrêter alors. Hein. Oh ouais, non, je peux avoir un accident là. Ouais. Du coup, je crois que c'est bon, hein. C'est bon? On va te faire la petite facture de 2000$ et c'est bon. Ah! Mais t'as oublié de coudre. Ah merde. J'ai oublié de quoi? Attends. T'as oublié de coudre. Ah ouais, bah ouais, mais là, ouais, si je me lève, il y a mes attestats qui vont sortir là, Marguerite. Mais je viens de te recoudre. Ah c'est bon. Non mais parce que je sais pas, moi je vois pas, c'est Stella qui dit ça. Stella, elle était trop obnubilée par ta barbe, je crois. Ah ouais. Je suis tombée sous le charme. Ils sont en train de raconter leur vie sur la radio. Hop là. Ok, parfait. Bah je récupère mes habits. Super la radio. 2000$ pour de vrai? Oh, c'était une blague. Ah, tu m'as fait peur. Non, je fais pas ça comme ça. En général, c'est 2001 en plus. 2000. Oh, c'est reparti pour le business. Ouais, là c'est bon. Par contre, tousse pas trop fort parce qu'à tout moment tu lui fous ton intestin dans l'œil quand même. Il faut changer la chemise aussi, elle est pleine de sang. Ouais, je vais en acheter une autre. Hé, Marguerite, je peux te demander un service? Ouais. Est-ce que par hasard, t'aurais pas une petite calage qui traîne dans un grenier ou bien un lance-roquette? Attends, je regarde dans ma poche. Non, j'ai pas d'arme. J'ai même pas de taser alors. Stella, t'aurais pas une petite calage avec toi? Si tu veux. Ah, bah je vais regarder dans mon sac, je reviens. Vas-y. Ah, franchement, les femmes, c'est ça, votre force, vous êtes serviable. On vous demande une calage, vous bégayez pas, vous parlez pas chinois. Ça fait plaisir. J'ai pas ça en stock aujourd'hui. Ah, ok. Ah, bon, t'as pas ton bazooka? Non, je l'ai laissé à la maison parce que je trouvais qu'il était un peu lourd. C'est normal que ta boucherie, elle a pas brûlé, elle a explosé ta boucherie. Dis la vérité, elle a explosé. Ben, je sais pas, j'ai retrouvé des morceaux de corps. C'est peut-être ça alors. Oh, astaghfirullah, c'est grave. Ok, bah écoutez, mesdames, merci beaucoup. Vous m'êtes aussi sympathique qu'horrifique, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Pas moi, ça j'ai toujours été cool. Ouais, t'es grave cool, ouais. Ouais, t'as vu? T'as pris.
Hola. Salut. Il faudrait pas sortir par la porte principale, il faudrait sortir par une autre porte. Attends, les gens dehors, ils vous attendent. Attends, c'est Luna? C'est Luna. Wesh, check, Luna, ça va ou quoi? C'est ouais, ça, t'as une attends, je vais juste voir pourquoi. Il y a des gens qui t'attendent dehors. Ouais, c'est mes... Ah, non, c'est pas mes amis. Attendez, je vais juste à l'entrée, je sors pas, juste à l'entrée. Si tu veux, on va les voir, nous, d'accord? On va les voir. Si tu veux, on prend un véhicule et on te ramène où tu veux aller, d'accord? Mon véhicule et on te ramène. Attendez, je vais juste les voir, où est-ce qu'ils sont. Sinon, je te mets un suppositoire. Non, arrête avec les suppos. Ils sont verrouillés. Je sais pas, on m'a dit qu'ils étaient dehors. Ils étaient là-bas, devant, gauche, là-bas. Ah ouais, tu vois, c'est des lâches. C'est des lâches. Si c'est toute la ribambelle de voitures que j'ai vu, je pense qu'ils sont partis. Là, on va voir si le véhicule lui arriver d'un coup, on va tous en rapote. Non, s'ils se sont pétés, ouais. Ouais, ils ont eu peur. Ils ont eu la puissance. Ouais, je vais appeler un taxi, je pense. Il y avait 5 voitures. Vas-y, ça marche, merci. Si tu veux, je te raccompagne. Bah, je vais bien en vérité, Luna. Vas-y. Pas de voiture là. Merci, c'est gentil. Allez, Agnès, fais attention à toi. Ça va ou quoi? Vas-y, viens, je te raccompagne, viens. Ouais, mais t'inquiète, c'est déjà quelqu'un qui arrive. Tes potes, enfin. Non, mais viens, Issa, je te raccompagne aussi au haut si tu veux. Non, mais y'a des boys qui arrivent, mais je vais juste lui dire un truc important, je pense. Ok, pas de soucis, je t'attends, je vais aller chercher ma voiture, je viens te chercher, d'accord? Merci, Luna, ouais. Vas-y, tu vois le mec. Ouais, le réfé, ouais, le mec que j'ai planté. Ouais, voilà, ouais, c'est vrai, c'est moi. Il vous déclare la guerre. Qu'est-ce que je m'en bats les steaks? Je vais, je préfère te... Écoute-moi, je vais le planter encore une fois, c'est tout. Hein. Vas-y, bah, je te préviens, il a officiellement dit, je vous déclare la guerre, vous trois. Ok. Ah, nous trois? Enfin, toi... Hamid et Tobias, ça. Ouais, c'est ah ça. Ouais, espérance de vie... Hamid et Tobias, bon, espérance de vie pour Alvaro, hein. 2 heures maximum, 2 heures. Ouais, je sais pas, Alvaro, c'est un réfé quand même. Hein. Mais, attends, écoute, qu'il soit réfé ou pas, je l'ai planté, je l'ai pas planté. Ouais, tu l'as planté. Voilà, c'est tout. Bah écoute, on va leur faire la guerre, hein. Je vais appeler ton OG et puis on va s'équiper, hein. C'est comme ça qu'on va faire. Vas-y, je te dis juste qu'il était en chaise roulante et il a officiellement dit je vous fais la guerre. Ah, il est en chaise roulante, il fait la guerre en chaise roulante, lui. Enfin, il a déclaré. Vas-y, je te laisse. Merci, vas-y, hein. Big up. Ouais, tu m'avais appelé. Je servais si jamais. Ouais, Tobias, t'es où? Ici. On est en voiture. Vous faites quoi? Je raccompagne quelqu'un et on se parle apparemment, après, il, d'accord. Il est en chaise roulante, Alvaro, il nous déclare la guerre. Ouais, on l'a vu parce qu'on l'a poussé. Attends. On l'a aidé. Ouais. Oui. On se capte tout. Bah, je sais pas, moi je suis en voiture si tu veux me récupérer. Maintenant, je suis en voiture avec Luna là déjà. Venez, on se pose chez moi, ok? Vas-y. Bah, je suis là, ouais, venez, on va chez moi. Vas-y, vas-y, go. Je te mets l'adresse, Luna. Salut. Tu sais, tu peux mettre sur le GPS. Tu veux pas comment on est russe? Voilà, c'est bon, merci. Ça paye bien en fait, le MSA. En fait, Luna, je t'explique. Je suis en guerre. Il y a moi, Tobias et Hamid. Que nous trois, on est en guerre contre tous les maras parce que j'ai planté le réfé. Ah, ouais, fallait pas faire ça. Ouais, mais à chaque fois que je le croise, c'est bon, il me tapait dessus et tout, il me cassait les couilles. Du coup, bah, j'étais obligé, il fallait que je monte l'exemple, tu vois. Je l'ai planté devant tout son gang, boire dans le ventre. Et là, il est en chaise roulante. Regarde, je vais l'appeler. Allô. Je pense que tu as le syndrome de Stockholm, toi. Allô, Alvaro. Si. Ça roule. Alors comme ça, on fait la guerre en chaise roulante maintenant. Ça va être quoi la prochaine fois en rampant? Une fois, tu vas voir attraper des lianes comme Tarzan, tu vas voir. Ouais, t'inquiète pas. Laisse-moi le temps de m'équiper, de prendre des gilets, des calages, des lance-roquettes et je vais te fumer toi et ton gang de merde là. C'est derrière. Tu vas venir à 2 ou à 3, tu vas faire quoi? T'inquiète. Hein? Bah et alors? T'as pas honte de déclarer la guerre à 3 personnes? Tu vois, tu vas le regretter. Attends, tu dis déclarer la guerre à 3 personnes? Si. Tu es sérieux? Bah quoi? C'est toi, c'est nous, on t'a mis le bras, on t'a mis une mission. On t'a même dit, qu'est-ce qu'il avait dit? Que si tu remplis les missions, Attends, je te rappelle. Attends, ferme-la, je te rappelle. Merci Luna, merci beaucoup. Y a pas de soucis, merci. Si jamais besoin de quelqu'un pour te conduire, pas de soucis, tu m'appelles. Bah super cool, bah vas-y, bonne soirée à toi, merci encore. Buenas tardes, Anas. Anas, salut. Arrêtez de faire les cons là, venez. C'est pas moi, c'est Hamid. Eh, comment je suis en train de le maîtriser, Alvaro? Je suis dans sa tête, les mecs. Voilà. Ouais, je suis déjà dans sa tête, les mecs. Anas, on est mort. On est mort. Comment mort là? On va décéder, plus respect. Mais non, vous inquiétez pas, les gars. Il est en chaise roulante, il peut rien faire, ce con. Il va faire quoi? Oui. Les gars, déjà, on va. Faut qu'on parle au OG. On va lui donner sa thune déjà. Parce qu'il nous a quand même aidé. Ouais, c'est bon, j'ai rendu l'arme, moi. Ok. Moi, j'ai plus d'armes, du coup, je dois acheter une arme. Et faut qu'on chope son contact pour les gilets. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, go. Pour vous faire simple, hein, c'est-à-dire que les maras. Ils ont déclaré la guerre à nous trois. Non, c'est nous.
ouais, l'inverse, c'est plutôt nous, on a déclaré la guerre. Ah ouais, c'est nous qui avons déclaré. E15, 40. Ok, attends, je rectifie avec Alvaro. Oh, t'es pire que ma... Désolé Alvaro, désolé, j'étais avec ta mère. Du coup, Alvaro, je te disais... En fait, je rectifie le tir. Du coup, c'est vrai que c'est nous trois. Donc, il y a moi, il y a Hamid et il y a Tobias qui avons déclaré la guerre à tous les marins, dont toi qui est actuellement en chaise roulante. On est d'accord? Mais c'est pas chaise roulante. Bah, je sais pas. Bref, en tout cas, on t'a vu rouler, donc t'es en chaise roulante. Non, juste pour aller jusqu'à la côte, c'est. Mais maintenant, là, c'est bon, ils sont à côté. Ah ouais? Ah d'accord, ok. Donc, le chaise roulante, c'est juste pour sortir de l'hôpital jusqu'à ta côte. D'accord. Et attends, mais du coup, en fait, tu m'attendais. Ne me dis pas que tu m'attendais comme un lâche à 5 voitures à l'extérieur de l'hôpital, quand même, Alvaro. Non, Alvaro, quand même. T'es pas comme ça. C'est moi qu'on est comme ça, tu sais. Bah, non, ouais. Et dans ma position, tu vas maintenant? Maintenant, là? Attends, alors, juste, je récapitule. Hein. J'ai une entorse qui m'a éclaté la rotule à cause de ton coup de batte de baseball. Je me suis pris un coup de couteau, mais tu veux qu'on se capte? Si, bien sûr. Écoute, j'ai pris un coup de couteau par un poteau chez Veloz, youtubeur, influenceur, tout le monde. On se capte à combien? Mais non, juste toi et moi on va discuter, tranquille. Non mais toi je te connais, juste toi et moi. Tu vas me dire, mets-toi contre le mur, vas-y je vais te découper comme un petit chien. Vas-y. Laisse-moi m'équiper. Je suis un gangster, un marabunta. Bah c'est ça le problème. C'est ça le problème, bon. Bah t'es pas un bisounours, donc ne me dis pas, on va juste se capter pour discuter. Sinon dans ce cas-là... Bah tu sais quoi, rends-moi service, viens, moi je te mettrai la balle dans la tête, c'est bon, on en parle plus. Tu l'entends parler? Hamid, tu l'entends parler ou quoi? Il a dit, viens, tu me rends service, je te mets une balle dans la tête. Ça, c'est un fou. Tu veux que je retourne en unicorne baiser ta mère ou comment ça se passe? Parce que là, je suis à deux doigts de le faire. Hein. Ah là là, les hommes parlent beaucoup au téléphone, tu sais. Attends, Alvaro, les hommes parlent beaucoup. Et c'est qui t'a planté ton putain de ventre bien graisseux tout à l'heure devant ton gang? D'accord. Hein? D'accord. Voilà. Et le pire, Alvaro, le pire! C'est que tes mecs, ils ont même pas levé le petit doigt, c'est une femme! Les femmes, elles ont plus de couilles que tes hommes! C'est très grave! C'est très grave! Tu m'as sorti un couteau, et tu sais pas qui n'est pas venu sortir le couteau? T'allais prendre une machette! Il y avait le soleil, il tapait sur ton gros front, il voit rien, j'étais ébloui, c'est pour ça. D'accord, ok. Donc la prochaine fois, tout vient normal, tu mets une casquette, j'en sais rien, comme ça au moins il n'y a pas de trucs dans les yeux, d'accord? Et tu me sors une arme, t'inquiète, il est électrique. Le problème, Alvaro, quand tu t'es retourné, j'ai vu tes grosses fesses qui m'ont attaqué, tu vois. Je me suis senti agressé, donc normal. Normal, j'ai sorti le couteau. Je me sens pas agressé, moi. Bah voilà, c'est ça. Donc, laisse-moi m'équiper, t'inquiète même pas. Il pense qu'il prend un vieux coffret. Il va t'offrir un voyage en Turquie. Tu vas voir, il va bien s'occuper de toi, d'accord? Ah ouais, ok, vas-y, ça marche. Ça maintenant, ça taille sur la calvitie. Vas-y, tranquille. Bien sûr. Vas-y. Je vais t'offrir une liposition comme la mère de Kenny West et on mourir sur la salle d'opération. Comme tu veux, y a pas de problème. Vas-y. Je vais me l'offrir, viens au barrio, je t'attends maintenant. Au barrio, voilà. Allez. Tu vois, c'est ça ton problème. Toujours bonne la chance. Zone de confort. Allez. Bonne chance, il n'assume pas. Il a pas de coffre. Il m'a dit quoi? Viens au barrio. Mais il est con ou quoi? Il est con ou quoi? Mais il est fou. Sur son territoire, c'est se jeter dans la gueule du loup. Je vais appeler Audi Balas. Allô? Audi, ça va ou quoi? T'as encore envie, toi? Mais ouais, t'inquiète. Eh, écoute, c'est une meuf qui m'a planté, c'est deux meufs qui m'ont soigné. T'as vu comment elle est la vie? C'est incroyable. Ouais, mais c'est bien, c'est moi qui t'ai porté. Eh, boy, tu sais que t'as planté un réfet et t'as des plus grosses couilles que moi et tout. Bah ouais, t'inquiète pas, on est là. Je vais bientôt mourir, mais t'inquiète pas, on est là. Ouais. Audi, il y aurait. Je te donne de l'argent déjà, de une. Ouais. Et de deux, il me faut des calibres. Et de 3, il me faut ton contact de gilet. Parce qu'en fait, en gros, là, on a déclaré la guerre au Mara. T'as déclaré la guerre au Mara, mais ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben justement, c'est pour ça, je me dis, est-ce que je peux avoir des conseils? Est-ce que tu peux me louer quelques boys à toi? Comment est-ce qu'on fait, quoi? Des boys? Tu veux que je te loue des boys pour qu'ils meurent? Non, pas moi. Mais écoute, mais t'as vu comment il est éclaté? Moi, youtubeur influenceur, je l'ai planté. Mais vous, les balasses, vous allez les croquer normalement, non? Ouais. Bah écoute, viens la supérette, on en parle si tu veux. Vas-y, ça marche, vas-y. Vas-y les gars, venez, on va la supérette, supérette balasse. Roya, je suis le OG des Panthères Roses. Et nous on est les petits Pékinois qui vont mourir. Non, on est 3 OG. Y'a 3 OG. 4 avec Prince, y'a Prince aussi. Eh hey, Prince, il va revenir, il va rien comprendre, il va se faire soulever. Il est mort, il est foutu, miskin. Il va arriver. Oh, ça laisse des nœuds. Là les gars, je pense qu'on va on va prendre les balasses, on va prendre des gilets pare-balles, on va prendre des Beretta, on va aller dans le quartier des Maras et on va leur tirer dessus. Bien sûr. Super. On va faire ça. On va descendre du véhicule et on va tirer sur les Maras. Okay. Bah, on a déclaré la guerre. Faut bien qu'on assume quand même, non? Et donc ce sera la fin. Bah non, c'est pas la fin, Roya.
T'as une belle vie quand même, t'as quand même mais les gars, attends, mais regarde Hamid, ce que t'as pas vu, Roya. Ouais, j'ai pas vu quoi? C'est ça que t'as pas vu, mon casque, Roya? Mon casque par balle? Ah. Eh ouais, mon pote. Ah ouais, mais toi, c'est vrai, tu vois, Roya, quand je sors le casque, c'est le harb, c'est la guerre, c'est la guérilla, comme il dit Alvaro. Vas-y, go. Eh les gars, quand je sors le casque, c'est que c'est mauvais, hein. Oh. Ah ouais. Ah ouais. Là, ah c'est ouais, que c'est la guerre, ah, hein. Ah ouais, il avait fait une guerre. Eh ouais. Tiens, on dit comme promis. Ouais, vas-y, allez, carrément. Maintenant, le truc, c'est que moi, mon plan, en fait, ce soir, en fait, juste pour, tu sais, lancer un petit peu des hostilités, j'ai envie de m'équiper. Ne serait-ce parce que là, déjà, j'ai perdu mon Beretta, tu vois, je l'ai perdu. J'aimerais une arme. Et j'aimerais bien faire une descente dans leur quartier, genre juste, tu sais, rafale. C'est un drive-by. Si, c'est un drive-by. Ratatatata. Un drive-by. Ouais, je suis down à la supérette, bot. C'est mignon, un drive-by, ça va. Un drive-by. Ouais. T'as pas ta vie, hein. T'es sûr que tu veux vraiment faire ça, mon beau gosse? Ouais, mais... Écoute, ouais, ça fait quoi? Écoute. T'as vu ou dit sinon, ou pas? Parce que sinon, écoute, si tu veux faire un vrai drive-by, moi je t'emmène, je te conduis dans une mule, ok? Je t'ouvre les portes au bon moment, et là tu rafales. Bah ouais, vas-y. Tu vois, si vraiment t'es chaud, tu vois, parce qu'au travers d'une voiture, ouais. Je pense pas que tu vas savoir faire quelque chose, hein. Ok, bah vas-y, je suis chaud. Mais du coup, il faudra juste que je prenne un Beretta, si tu peux m'en vendre un. Et non, t'en plein. Ouais, et y'a moins que tu me vends un petit gilet, un truc comme ça? Genre pour moi et mes gars? Ok, t'as besoin de quoi exactement, dis-moi? Bah, trois petits gilets et. Tobias, t'as une arme? Oui, j'ai une arme. Ok, Hamid, t'as une arme? Non, j'ai plus. Ok, bah du coup, il faut deux Beretta et trois petits gilets. On a les boys en stock ou pas? Bah, sinon, j'appelle le contact. Faut appeler contact, hein, OG. Ok, je vais appeler le contact, attendez. Vas-y, ça marche. Ça va, collègue? On a un coup d'or maintenant. Ah ouais? Okay, réponds pas, je sais qu'à quoi. Tu sais que je suis le OG des Panthères Roses là? Le OG. Est-ce que t'as fait contre le réfé des marins ouais. Mais vous avez vu ou pas quand je l'ai planté, en fait c'est une femme. En fait les femmes chez eux ont plus de couilles que les hommes, c'est grave quand même. C'est une femme qui m'a planté. Incroyable. Ouais, ça va mon boy. Moi je l'ai toujours dit hein. Ouais ça va, les dis-moi. Les dans les quartiers peu, hein. J'ai quelqu'un qui aimerait bien acheter des calipes là pour moi. Ça va Tobias? Ouais ça va. Mais ouais. Du coup tu t'es pas posé de questions quoi. Après il va tomber, t'es prêt, Non c'est pas passé comme ça. En fait ça fait 5-6 fois à chaque fois qu'on le croise. Il me tabasse à 14 contre 1. Là à l'unicorne il m'a tapé, à l'extérieur il m'a tapé. Là devant ses mecs il voulait faire Zama le coq. Il voulait encore me planter, c'est possible, je vais pas me laisser faire. J'ai le sentiment que t'as pas trop aimé quand il t'a dit colle-toi au mur là. Bah à chaque fois, il me dit colle-toi au mur, il sort la machette, il me dit voilà. Bah maintenant je vais te découper, je vais te lancer. Oh là, ça va, c'est bon, deux minutes. J'ai vu ton œil quand il a fait clic-clic-clic comme ça, il a dit ça, je sais pas si ça le faisait pas, ouais. C'est bon, c'est bien comme spécimen de coq, un sarmacoc. Ok, écoute, j'ai eu mon contact, donc pour les calibres c'est carré. Vas-y. Pour les calibres c'est carré, il va m'envoyer la pose dans 10 minutes. Vas-y. Et pour les gilets, on va se démerder. C'est ça. Okay, les boys, vous avez déposé tous vos gilets chez Tata? Bien sûr. Allez, déposez vos gilets avant que je vous gifle tous. Dégage. Moi aussi, OG, il faut que je dépose. Non, t'inquiète, ok. Allô. Il est énervé le OG, hein. Ouais, c'est normal, c'est normal. Mais t'as vu comment il se fait respecter? Ah ouais, il est respecté par moi aussi, hein. Alvaro, il me respecte pas. Ok, mais de toute façon, au pire, t'auras de quoi? Combien? 15 000 le Colt. Écoute, on peut t'avoir une arme si tu veux. Ouais. C'est un Colt, ok? Un Colt, c'est un peu plus gros que je te le montre. Vas-y. C'est ceci, c'est avec ce que je me balade. Franchement, il arrête mieux. Petit viseur sur le côté. Ah ouais, c'est stylé. Méchant, voilà. Méchant. Ah ouais, voilà, méchant. Franchement, ça fait mal. 15 000 donc, ça fait bang bang. Ouais, donc du coup, ce que je te propose, c'est d'aller voir avec mes contacts. On va y aller en petite équipe. Vas-y. Pour pas attirer l'œil, parce qu'en vrai, normalement, je peux pas aller le voir. Ouais. Okay, donc on va y aller avec mon petit. On va monter dans une voiture à nous. Vas-y, et vas-y. Tu vas acheter, tu vas faire ton petit achat là-bas, comme si t'étais au magasin carré. Vas-y. Quoi, tu le préviens? Tu lui, tu lui dis qu'il vient. Combien? Combien? Deux calibres et trois gilets, il a dit. Tiens, Tobias, il a rencontré son jumeau Balas. Viens voilà. Allez, vas-y. Tu vas. Il a rencontré son jumeau Balas. Faut que je retire l'argent, Audi? Ouais, vas-y. Donne-moi, ça fait combien au total? Donc 15 x 2, c'est ça? Plus combien? 15 x 2, mais attends, tu sais quoi? En vrai, je vais pas t'arnaquer, vas-y, viens. Viens. En fait, je t'explique, chez nous, on paye en billets d'$1, boy. Avec ces billets-là, ça vaut un peu plus cher. Ah, ok. Ok. Je vais pas t'escroquer. Ah, j'ai compris. Tu m'as déjà passé de l'oseille. Dans ça, là, en gros, c'est. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Ouais. Donc, normalement, c'est 15 x 2 et les petits gilets. Tu me donnes 22 000 et tout est carré. 22, vas-y. Ouais, vas-y. Vas-y, carré, mon bug. Vas-y. Allez, viens. Après, je suis youtubeur, je fais des vidéos sponsorisées, c'est normal, j'ai de l'argent. Réfléchis un peu. Descends là, descends là. Tobias,
Tu m'aurais mis la roue dans la tête, je t'aurais mis une giflette, une balayette. Il a trouvé son jumeau, je crois, chez les Balas, hein. Ouais, je crois quoi. Ouais, ils sont potes, hein. Ils s'entendent bien, les deux, là. Ouais, ils s'entendent bien. Fanka, bien. Ouais, ok. Tu vas déposer un petit peu d'oseille pour moi. Et bah voilà. Bien, moi, je vais aller chercher de l'oseille. Ah, c'est bien. Il se prend pour une licorne en fait, c'est pour ça. Ce masque. J'ai toujours rêvé d'être un Zeval. Ouais, ouais. Zeval. Zeval. Bon, écoute, tu vas être content. On t'a commandé des gilets roses. Jure ! Ouais, ouais. Waouh, stylé de fou ! Ouais, ça c'est bien. Ok, donc en fait, le contact il y va, il arrive, on va à la position, on te sécurise pour être sûr qu'il te baisse pas parce que en vrai c'est quand même. J'y vais masquer ou pas ? Ouais, allez, masquer. Je pense que c'est vrai, c'est mieux. Allez hop, je préfère qu'ils vous reconnaissent pas, rien du tout. On va démarrer d'ici 3 minutes. Vas-y. Et ce sera parti. On va venir avec vous en convoi et tout, hein, comme ça, t'es sûr que tout va bien. Tu pourras mettre l'adresse sur le GPS ? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, t'as pas autre chose que ta tête de bouillicot là quand même pour... Parce qu'on va voir des gens sérieux, quoi, tu vois. Là, je suis très sérieux, monsieur, avec, avec vos propos. Hein. Vous êtes. On va y aller, boy, on va y aller. On va y aller. On va se mettre en convoi. C'est bien. Mais dès qu'on va s'envoler. Ouais, c'est une idée de Tobias. Oh là là, on est que la haine envers les rouges. Rouge poche dans le coffre. Et déjà en tort avec les. Enfin, déjà en guerre avec les marages. J'ai pas envie de faire la guerre avec les. Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis dans le coffre quand même. Regarde, on est en guerre, je m'en bats les couilles. Il prend les rivas. Tu préfères mourir dans les mains d'Alvaro ou mourir dans un accident de voiture ? Ça dépend la douleur, hein. Alvaro, tout le temps découpé, on dirait un tir kebab. Putain, coupé. C'est ça son problème, il veut tout le temps découpé. Soit ramène la machette, soit ramène la batte. C'est ça, à chaque fois c'est. Mets-toi contre le mur. Ensuite, bon, maintenant je t'ai fait quoi? Je te découpe maintenant, qu'est-ce que je t'ai fait? Bah, je sais pas, frérot, c'est toi le réfé, non? Et après, il te fait la morale pour le 40 minutes, on dirait le Haju quartier. Et après, il te met une gifle et dit: j'espère que tu vas me respecter maintenant. Bah, non, en fait, je vais pas te respecter. Encore. Tu sais, fais qu'on osse la vie d'un loca. Oh merde. D'abord, sors, je t'invite à sortir. Voilà. Ah, merci beaucoup. T'as la musique avant que je t'éteins là. Oh, comment tu viens parler à mon coin là? Comment tu viens de parler toi? Je rigole, la magie. Ouais. Calme-moi ça là. Avec sa tête, je ne sais plus si c'est un cheval ou si c'est un cochon. Il y a du état la musique avant que je t'éteigne. Bon, il y a mon. Il y a notre contact qui va arriver, les boys, ils devraient pas trop tarder. D'ici 2 minutes, il sera là avec votre cargaison. D'accord. Les 3 gilets, les. Vos gilets tout vos là. Ah, vous allez être beau avec ces gilets gousses comme ça là? Ouais, de fou. Ah, genre, les gilets, ça rapport à la danse du hood. Je sais pas qu'est-ce qu'il raconte. La danse du hood? C'est du palace drill. Attendez, il faut la musique pour ça, je sais même plus si je l'ai, attends. Bah tranquille, en vrai, je peux mettre la même. Il y a là les musiques en vrai. Non. Bon, les boys, vous savez quoi? Regardez, on va faire un truc. Mettez-vous à belle ligne derrière moi. La danse. 58. Et la 58 pour lui faire plaisir, puis on enchaînera sur la 55. Carré? Vas-y. Allez, les boys, on se prépare pour la 58. Ok. 3, 2, 1, go! Ah voilà. On va mourir. Alvaro, mais je vais te buter, je vais te ramener avec moi en enfer, il fait chaud. Et ça tombe bien, je suis frileux. Ouais. Qui? Bien. Vas-y les boys, on va changer de danse, on va faire la 55. Pas la skank. 3, 2, 1, go. Ouais. Vas-y maintenant, descend sur la 26. Ouais, je vais mourir. J'ai planté les réfets, je m'en bats les couilles. Eh ouais, mon boy, tu vas mourir, mais au moins tu seras mort avec les honneurs. Avec le smile. On va faire la 34. Go. Voilà. Ah, c'est comme ça que je vais écraser Alvaro. Nye. Bon, quoi, il est où le contact? Le contact, il est où? Ouais, le contact. Allez, je vais couper la musique s'il va arriver. Oui, s'il nous voit arriver comme ça. Ouais, voilà. Je vais appeler Alvaro. Tu dis sans couilles, 1v1, parking rouge. Ça va? Wesh, il m'a raccroché au nez. Ah, light track, c'est sûr. Ah non, il a peur. Il pense qu'il y a des satellites au-dessus de lui, à mon avis. Oh, tu m'as compris ce qu'il dit ou pas? Non, t'as dit quoi? J'ai pas entendu. Il dit que justement, là, il m'occupe, je vais peut-être découper quelqu'un, il revient après. Ah, tu découpes quelqu'un? Vas-y, c'est... ça marche. Bon courage. Te rappelle. Salut.
Ah, il me rappelle, il est en train de découper quelqu'un. Zama, Zama, il est en train de découper du jambon, ouais. Il fait son apéro, là, à mon avis. Ça va, mais tout se passe bien. Pour l'instant, on a les armas dans... Ouais, ça fait déjà 2 minutes, le temps il passe vite. Hein. Mais ils sont posés et tout, ils surveillent les escaliers et tout. C'est quoi ton plan d'attaque? Je t'ai dit, en fait, drive-by, hein, dans la mule, t'ouvres, on rafale, ratatatata. Parce que là, en fait, je pense qu'il me prend pas encore au sérieux, tu vois. Il pense que je suis encore un petit rigolo, et en fait, il me traite de youtubeur, influenceur, etc, etc. Il croit que j'ai pas de couilles, ça le problème. Est-ce que t'es pas youtubeur, t'es pas influenceur? Mais moi j'ai un background, monsieur, j'ai un background. Ah bon? Évidemment. Tu sais, tu sais quoi? Tu vas le rafale, t'as juste à lui dire non, on est posé dans le bloc, c'est un merde. Ouais, bah tu sais quoi, bah je vais rafale avec du Weshden dans les oreilles. Tellement je le respecte pas, t'imagines? Fallait réfléchir. Fallait rafaler. Ah ouais. Bah oui, ça va trop vite. Oh, stylé en plus. Ah ouais, ça peut être stylé. Ça peut... Franchement, avec la couleur rose, ça peut avoir tout son sens, ouais. Ouais, vraiment. En plus, avec les gilets roses et tout. Le seul problème, c'est la couleur de peau. Bon, ça va en vrai. Bon, ça va, tu sais, on n'est pas là-dessus. Hein. Regarde le petit frère, il ressemble à Baptou et pourtant il est bien avec nous. Hein. Tu sais que j'ai envie de le taper derrière là, le voir dans le coin. Ouais, moi aussi. Je crois que j'arriverai plus à résister longtemps, je crois. Regarde ce qu'il fait, ils surveillent l'escalier. Où c'est? Bah là, les mecs. Ah ouais. Attends, viens. Regarde, écoute. Non, ça va aller, c'est bon, c'est pas grave. Regardez le mur là avant qu'il monte. Mauvais plan. Il s'est retourné, il avait un fusil. Il a dit non, tranquille. Toi, tu veux mourir, Roya ou quoi? C'est quoi votre cri de guerre à vous, les Balas? Ouf. Est-ce que vous mettez un rond et vous criez Balas? Ah ouais, genre Balas gang, c'est ça? Non. Ah voilà, non. Vous mettez un rond, vous mettez vos mains au milieu, vous faites un. Non. Tu nous as fait pour des super héros. T'as cru que c'était Fort Boyard ou quoi? Ouais, je crois. Koh-Lanta, un des trois balasques. T'imagines? C'est vrai qu'il faudra un. Balas! Et là, ils vont niquer les verres. C'est ça. Oh, Alvaro. Ouais, Alvaro, ça va quoi? Enfin, ça va. Enfin, j'espère que ça va pas en vrai. Hein. En même temps, je suis en béquille, on va dire. Comment tu veux que ça aille? Ah, t'es en béquille? Oh non! Putain! Ah, je suis dégoûté, je vais mal dormir. Hein. Il y a un mec. Bon, tu voulais me dire quelque chose? Non, je veux juste savoir si t'es toujours en vie, en fait, c'est juste ça. Ok, bah, c'est tu respires toujours? Tu respires toujours? Pour le moment, c'est. Mais ça me casse les couilles qu'on respire le même air, vraiment, ça me casse les couilles. Ouais, va falloir qu'on fasse quelque chose là. Mais ouais, y a pas assez d'air pour nous deux dans cette ville, je crois. D'accord. T'inquiète, tu vas avoir très vite de mes nouvelles. Très vite. Yurev ou tu me racontes ta vie là? C'est vous pour les. Tu me racontes ta vie ou Yurev? Bon, bah, arrête, ça date de 2012, cette phrase, t'abuses. Tranquille. Non, parce que justement, à chaque fois que tu m'appelles, tu dis, Cécilie, ça. Ça va arriver fort. Ça va péter. Bouillard. Ça va péter. Le rose, là. C'est lui. Ah, c'est pour. C'est pour nous. C'est pour le vent, d'accord. Ouais. Les armes. Écoutez, votre, vos gilets sont juste dans le rond-point. Tu me pousses. Ouais. Dans le quoi? Dans le rond-point. C'est quoi ça? Ah, ok. Ça. C'est. Ok. Ah, bah, stylé de ouf. Comment ça, stylé de ouf? Non, la voiture. T'as cru que c'était un concert ou quoi? Ça va et toi? Pardon. Mais est-ce qu'il a sous. Ah, c'est eux, les Italiens. Ok, non, parce qu'il y avait des rapports de l'icône, l'icône. Ouais. Arrête, ils vont te faire manger du foin. Ok. Du coup, messieurs, on récupère les gilets dans. Viens, 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 j'ai déjà tout récupéré, viens avec moi. Ouais. Je me suis chargé de tout, viens. Ah, merci. Côté. Hop. Alors. Ça va ou quoi, vous? Je te dois ceci, boy. Et ceci. Ah, merci. Vas-y, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, les gilets! T'aimes bien? T'es trop lourd. T'as ton truc. Tiens, j'ai pas envie de dire que t'es gros, mais tu. T'es un petit. Vas-y. Ouais, ça va. Enlève un peu. T'sais quoi? Ouais, je vais l'enlever. Enlève ta chemise. La chemise, ouais. C'est génial. Ouais, la chemise. S'il te plaît, enlève la chemise. Boah! Voilà, là on est chaud là! Putain, t'es pas bleu, mais t'as une ceinture bleue. Là, hein, franchement. Ouais, je vais changer de pantalon. Là, ça représente, tu vois. Là, on est là. Attends. Non, il y a une petite. Il manque un truc. Là, on est bon là. Là, c'est la tenue de guerre là. Ah ouais, super. Eh ouais, mon pote. Vous voulez faire ça en mule, c'est ça? Vous voulez que je vous accompagne jusqu'au bout? Ouais, en mule, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu me mets derrière, comme ça, on. Ok, donc en gros, je vais mourir, moi aussi, c'est ça? Non, mais non. T'as un casque rose? Non, mais. Tiens,
Bon bah ok, allez, je vais le faire. Dis-moi. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Je vais monter avec vous, enfin je vais vous suivre en moto. Oui. Je donne les trucs importants à mes potes. Et en vrai, je vais conduire la mule pour vous. Allez, vas-y, c'est cool. Eh, c'est quoi notre cri de guerre? Non, non, pas ça. Je veux un R, je veux un O, je veux un S. Non, c'est trop long. Je veux les roses. C'est trop long. C'est trop long, frère. Allez les roses. Allez les roses, c'est bien. On va chez des balles là ou pas? Ouais. Allez les roses, c'est bien, non? Ah, Pepito Mskin, il est où d'ailleurs? Il est mort. Comment ça, il est mort? Non, il est en prison. Ah, il est en prison? Ah non, il a été libéré. Oh, sérieux? Oui. C'est cool ça. Venez, suivez-moi, on va aller voir après vos les mules. Vas-y. Je te rappelle. Vas-y, on te suit. Vas-y. Ne percute pas. J'y sais quand même. T'as promis quoi, toi, Pepito? Je lui ai promis une chaleur, il reste vivant. Bah, oui, voilà. Il m'a dit qu'il devait te voir parce que tu lui as promis. Ah ouais, non, de l'argent, je pense que c'est de l'argent à mon avis. Ah oui, je lui dis. Ah oui, c'est vrai. Oui. Tu vois, toi et l'argent, c'est bizarre, Tobias, hein. T'oublies toujours quand c'est une question d'argent. Ah oui, c'est... j'oublie vite. Ma part de l'Afrique. Hein? Hein? Ouais, ouais. Ah ouais, c'est vrai. T'as fouillé dans le coffre? T'as fouillé dans le coffre? Ah, cette mule. Je vous conseille, hein. C'est un petit camion comme ça. Tu vois, un qui conduit, deux qui se mettent à l'arrière d'ici, et vous pouvez tirer en fait. Vas-y. Ah, bien vu. Hop, attendez, je vous file les outils et tout. Hop. Super, super. Et je vous dis big up, hein, parce que moi j'ai pas envie de mourir, hein. Vas-y, t'inquiète. C'est pas toi qui devais rouler? Quoi? C'est pas toi qui devais rouler? Je conduis du coup. Ma radio. Vas-y. De quoi? Vas-y, je vais conduire. Vous tirez. Ouais. Non, je crois que c'est mieux. Hamid. Non, j'ai pas peur, mais comment t'expliquer un OG dans un barrio? Non, moi je peux pas, boy, tu vois. Vas-y, Hamid, carré. Moi, en tout cas, c'était un honneur de vous avoir connu. Franchement, j'ai kiffé vous connaître. Merci, soldat. À très bientôt. Salut. Go, venez monter. Il y aura les keufs. Ça arrive, il y a des keufs. Caisse, je veux une grosse caisse. Qui veut conduire? Je conduis. Ouais, vas-y, conduis. Bon, allez, bismillah, c'est parti. Attends, ferme la porte d'ailleurs. Ah, c'est bon. C'est bon, je joue comme ça. Ok. Et position bien comme ça, qu'on puisse tirer, tu vois. Après, je pense pas qu'ils vont rester dans leur quartier. Tu vois. Oh là. Qu'est-ce que c'est? Ah là, y a des voitures là. Ah ouais. Salam alaikum, guys. On fait le cri de guerre. Attends, avance. Attends. Quoi, j'ai ça? Mais oh là là, ça court, on est mort. Voilà, on s'arrête au plein milieu. Avance. Arrête-toi. Vas-y. Allez les roses, on est clairement les meilleurs. Attends. Attends, bouge pas, regarde. Boum. Si, rien. Vas-y, accélère. Voilà. C'était beau, ça. Là, on est bien. Ah ouais, bah attends, je vais appeler Alvaro. Vas-y, on l'appelle et on reste caché. Hola. Alvaro, ça va? Tu vas bien? Je suis en béquille. T'es en béquille, ouais. Je suis désolé. Je crois que ça... Il faisait un peu froid dans ton quartier. On est passé, on a réchauffé un petit peu le quartier. Ah bon? Ouais. Et tu as porté des bougies? Ouais, des bougies, surtout un moteur. Enfin, je crois qu'il y a une voiture qui a explosé. Hein. Oups, je suis désolé. Hein. Si, bah écoute, pense qu'il y a des Allemands sur place qui s'en occupent, non? Ah bah je sais pas. Mais pourquoi tu m'as pas prévenu? Il serait venu t'accueillir sur place. Mais t'es en béquille, Alvaro, je vais pas te déranger quand même. Bah oui, tu sais, tu me déranges pas si tu me préviens à l'avance. Là, tu me déranges parce que tu me dis que tu m'as fait une surprise, mais tu me préviens pas. Bah oui, je t'ai fait un cadeau d'anniversaire, mais tu peux pas souffler parce que, bon, déjà t'as pas de souffle. Parce que t'es en béquille, donc tu pourras pas. Tu vois? Une voiture, il est mort, c'est grave. Bah les bruits de chance, je te rappelle. Oh, bah qui voilà. Bah je crois qu'il s'est fait percuter, j'ai entendu. Chut. Bon. La police. Ouais, fais quoi? On enlève les masques. Pourquoi on a des masques? De toute façon, ils savent qui on est. Bonsoir. On a entendu des coups de feu, monsieur. C'est une voiture qui a explosé là-bas. Où ça? Là-bas. Vous voyez, il y a une voiture bleue qui a explosé. Ah, monsieur. Ouais, nous on était en train de livrer du colis. Monsieur. On travaille pour Go Postal. Ouais. Okay, ah, monsieur? Oui. Pourquoi? Attendez, reculez un petit peu. Oui, bien sûr. Pourquoi? Ouais. C'est des gilets pare-balles que vous avez? Oui, ça la mode. Non, c'est des polaires. C'est des gilets polaires. Des gilets pare-balles roses, je suis pas sûr que ce soit des gilets, ça. Non, c'est des gilets. Ouais, en rose, ça n'a pas de sens. C'est Quechua. En fait, nous sommes des youtubeurs.
Et c'est des placements de produits qu'on fait. Exactement, oui, c'est ça. Des placements de produits sur des gilets pare-balles roses. Ça n'a aucun sens. Oui, ça n'a aucun sens, réfléchissez un peu quand même. Oui, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est comme ça qu'on se plus de YouTube Money, justement. Exactement, exactement. Tout à fait. D'ailleurs, juste 45. Ouais. Félicitations pour la promotion. Putain, race. C'est bon, on peut y aller. Mettez-vous sur le côté juste pour ça, là. Mais non. Putain, putain, tu vois. Mais non, mais je pensais que c'était toi, en vrai, réellement. Vas-y, je te jure, on l'embarque. Non, ils sont gentils. Mais non, mais on travaille là, messieurs, on travaille, on a des livraisons là. Oui, voilà. Monsieur Raven, vous êtes pas censé faire un stage au LSPD? Le capitaine m'a refusé. Ah bon? Oui, du coup, je suis devenu avocat. Ah, ok. Avocat, okay, vous avez besoin d'un avocat, n'hésitez pas, je suis là. Mais du coup, vous travaillez pour GoPostal maintenant? Oui. Vous êtes avocat ou vous travaillez pour GoPostal? Ah non, ça c'est un petit hobby. Non, mais c'est de l'intérim, ça, on fait de l'intérim quoi. C'est pour arrondir les fins de mois, quoi. Enfin, les fins de semaine, les fins de journée, quoi. Tout. Quand on est avocat, ouais. Bon, allez, bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée à vous. Ouais. Au revoir. Il y a 10-45. Et du coup, on se dévale vers où demain Ouais, je pense demain. Là. Ouais, au moins, ce qui est bien, c'est qu'on s'est équipé. Et demain, en plus, on aura un bras, enfin, on aura deux bras cassés en plus. On aura les bras de trace. On aura les bras de trace. Vas-y. Tu vois, okay, et en plus, tu sais que j'ai une mule. Attends, va au parking, va au PAR. K-I-N-G H-2-4. Ah, c'est vraiment une petite mule, hein. Ça va, c'est bien ou pas? C'est petit. C'est bien, non? Mais c'est qu'un 2 places. On peut pas monter à 3. Y'a pas de coffre? Bah, je crois pas qu'il y a... Tu peux monter dans le coffre? Ouais, non, y'a pas de coffre. Y'a pas de coffre, hein. Ah, ça pue, sa mère, c'est éclaté. Il est énervé, celui-là. Le turbo. Ah là, regarde. Désolé. Ah, c'est pas lui là, le bleu. Mais c'est pas lui. Ouais, il est dans la voiture là. Vas-y, pète les pneus, crevez les pneus. Oh, pas tout de suite. Finalement, on change de plan. Allez, remontez. Si, si, on va péter. Mais non, regarde, il est là. C'est vrai, il remonte comme ça. Désolé, je fais attention. Il a eu pas vu. Je croyais qu'un peu il a sauté là.